Bonjour, it is day 6 of our 12 days of Frenchmas. And today we're learning how to make some vin chaud or mulled wine, I think. Well, you've started without me. Oh, okay. Sorry. Chin chin. Cheers. Okay, I have to say, it is the first in the world. And last, probably, that Adam is on camera with me. I'm really excited, actually. He's not at all feeling very uncomfortable. Now, just in case you've never heard me mentioning Adam on camera when I am filming, he is the guy behind the camera. So who's behind the camera today, Alexa? Well, I don't know. At the moment, there is nobody. So, but you are still managing to operate every single camera in this studio. Fingers crossed, everything's going to work. Yes, I'm here for the wine. Yes, I said I'm going to make a mulled wine video. Do you want to be in it? He said, "Oh, if I have to." Anyway, mulled wine. I have here everything that I need to make mulled wine, and I'm going to use my own recipe. Again, you can change it the way you want, but this is the way I'm going to do it. And how do we say mulled wine in French? Well, actually, we call it hot wine, okay? Oh. But obviously, because hot comes after the word, we call it wine hot. So it is... Vin chaud. Le vin chaud. Le and vin that's chaud. What we are about to do. On va faire du vin chaud. We are going to make some... vin chaud or mulled wine. In order to do that, I'm going to ask Adam to squeeze a little lemon onto this very hot pan. So we're doing that in a studio. I'm not sure what it's going to be turning out to be. You want me to do this? Yeah. Dans le... allez, dans la casserole. Dans la casserole. Tu mets du jus de orange. So people might wonder whether you speak, you actually speak French. Oui, je parle français très couramment. À cause de toi. Ou grâce à moi, plutôt. Grâce à toi. Oui. Comme ça? Oui, très bien. Ça suffit? Et alors, depuis combien de... This is the reason right now. Why he doesn't want to be on camera. So sorry. OK. Depuis combien de temps tu parles le français? Moi, j'ai parlé le français depuis quelques années. Hein. Ouais. 5 années. 20 ans. 25 20 ans, ans au moins. Learn French with Alexa is years and years old, but I think we started working together 27 years ago. Mm. Wow, a long time ago. Anyway, I'm putting some cloves or clous de girofle dans cette orange. Ouais, vas-y. Tourne-le dans cette orange et je vais la mettre en fait dans ma casserole. Est-ce que je vais faire aussi... Non, je vais d'abord mettre le sucre parce que ça sera... Voilà. On va mettre le sucre et on va caraméliser tout ça. Allez, vas-y. Ouais, vas-y. So, how do we say stirring in French? Alors, stirring is to mélanger. Alors, mélange. Vas-y, on mélange. Je mélange. Et ce que je vais faire en fait, je vais mettre donc le sucre, on va mettre le jus de l'orange, alors je fais attention de ne pas en mettre de partout, et puis on va mettre un tout petit peu de vin. Alors le vin que j'utilise c'est du Merlot, je vais le goûter, juste au cas où. Il n'est pas mauvais du tout, il n'est pas mauvais, donc pardon, j'oubliais. Alors je vais mettre un petit peu de Merlot tu comme mélanges? Ça. Tu mélanges, vas-y. Tu mélanges, voilà. Et donc, j'ai mis ma température assez chaude sur cette petite plaque électrique. Donc, j'espère que ça va marcher. On dirait que ça chauffe. C'est pas évident. Et pendant ce temps-là, je vais attendre qu'elle chauffe. Je vais mettre ma tranche d'orange avec les clous de girofle. Now, clou is a nail. The same way as you would nail some wood together. We call that le clou. OK? So, je vais le mettre là. Comme ça. Et puis aussi, je vais mettre un petit peu plus de clous de girofle. Comme ça. Voilà. Je vais mettre 2 étoiles d'anis. Voilà, de l'anis. Comme ça. D'accord ? Ça, j'adore. L'anis, ils font le pastis avec, je crois. Tu vois ? Ça sent le pastis, en fait.
So this is, what are these things called? Aniseed. Star anise. On va mettre de l'anis comme ça. Et puis aussi, ce que je vais ajouter de la cannelle. J'adore la cannelle. Tu aimes la cannelle? Ouais? Ok. La cannelle. Je vais peut-être la casser pour... Voilà, attends. Je vais casser celle-ci. On va en mettre juste une. Voilà. Ah oui, parce que, regarde, l'odeur est bien, bien meilleure. Donc, ça sent super bon. Vas-y. On attend en fait que ça chauffe un peu plus pour que ça fasse du sirop. So, what are we doing with this? My... Ouais, tu peux, non. Tu, ouais, just... ok. Est-ce que je vais mettre aussi, je vais mettre une petite pincée de noix de muscade, de la nutmeg ou de noix de muscade. Voilà, mais alors vraiment pas beaucoup, une petite pincée. Comme ça, voilà. Je mélange. Et puis on va attendre, en fait, que ça fasse un petit sirop. Et pendant ce temps-là, j'ai coupé des épluchures, des pelures ou des épluchures d'orange, ok. En fait, qui vont aromatiser encore plus notre petit sirop. Donc je les mets au fond, voilà. Voilà, ça commence à bouillir. J'attends en fait que ça boue. Alors surtout le vin chaud, lorsqu'il est fait, ne le faites pas bouillir. D'accord? Ça bouille? Ça boue maintenant parce qu'il y a du sucre et puis voilà. Donc ça, ce n'est pas un problème. C'est après qu'il ne faut pas que ça boue. D'accord? Mm-hmm. Bouillir, it's a weird word, bouillir. What's that? That's a second good verb? Ah, that's a good try. Bouillir, to boil actually. Bouillir, no, it's not, because we wouldn't say ils bouillissent. Nous bouillissons, vous bouillons. So, non, je peux... actually, what am I talking about? Je boue, tu boues, il boue, nous bouillons, vous bouillez, il boue. Huh. OK. Voilà, donc, alors voilà, vous voyez so que... First, no, no, it's not regular at all, it's a third group, sorry about that. OK, so I'm going to add some lemon to it too. Okay, mm-hmm. And so we are going to wait. On va attendre. Ça sent bon, hein? Ça sent super bon. On va attendre en fait que l'alcool s'évapore et que ça devienne un sirop. Ce qu'on veut, c'est un sirop. Ok. Donc, je répète, on a mis nos clous de girofle, notre cannelle. On a mis, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Notre noix de muscat. Et puis nos pelures d'orange et puis de citron. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? La cannelle, j'ai dit la cannelle, ok. Alors maintenant, ça boue. On réduit l'alcool qu'il y a. The brandy. Oh. Il a remarqué le brandy. Alors le brandy, c'est pour après. Ah, okay. Je vais l'ajouter après, voilà. Alors, maintenant que ça boue, en fait, ce qu'on veut, c'est une petite consistance assez siropeuse. Je ne sais pas si ça se dit siropeuse, ça devrait peut-être pas se dire. Je vais le goûter en fait pour être sûre. Attends, il faut absolument que je le goûte moi-même. Est-ce que c'est assez sucré? My glasses are steaming up here. But you shouldn't wear your glasses. Oh wow, c'est riche, c'est super bon. Ah oui, c'est vraiment, vraiment très bon. Voilà. Ce que je vais faire, donc, je suis contente avec cette consistance. Ça dépend, parce que moi, j'ai une petite plaque électrique, c'est pas pratique. Mais le goût est très bon, il est sucré, il est même super aromatisé. Donc, je vais tourner mon orange. Alors, une fois qu'on a le sirop qu'on veut, d'accord, on va réduire le feu. On réduit le feu, donc je le réduis à peut-être un petit minimum, ça devrait réduire maintenant, ok. Et ensuite, ce qu'on va ajouter, ça réduit pas, ça marche pas. Oh là là, alors on va la soulever, voilà. Et puis ensuite, je vais ajouter à mon sirop, qui maintenant a une consistance très, très foncée, je vais ajouter à mon sirop le reste de mon vin, d'accord? Go for it. Ok, here we go. J'ajoute le reste du vin. Alors, je peux mettre le litre entier, c'est pas un souci. Allez, hop, on y va. Et puis, je vais refaire chauffer le tout, comme ça. Et puis, on va mélanger. Et j'espère que mon sirop va aromatiser le reste du vin. Ok. On va mettre à chauffer encore. J'ai hâte.
OK. Est-ce que tu as des questions à poser, Adam? When are we putting the brandy in? At the end. Ah, ouais. Quand c'est chaud. Bah, tu veux le mettre maintenant? OK. Oh, yeah. On va le mettre maintenant. Allez. Hein? Tu sais, I've had this brandy in my kitchen for a very long time. I'm not even sure it's still OK. Allez, un petit peu? Une petite goutte. Une petite goutte. Ouh, très bien. La goutte is a drop. Une petite goutte. Voilà. Allez, oh, peut-être. Allez, on y va. OK. OK. So what's next? Goutte. Eh bien, on attend. Alors, while we're waiting for it to heat up again. This could take some time because this is not the most efficient of machines. No, but tell us, Adam, what's for the new year? Since you're here and you're the brain behind Learn French with Alexa. Well, firstly, I think we'd like to thank everyone for your support on our channel this year. Yes. It means a lot to us. It means, and we reached, that was quite a milestone. We reached 500,000 subscribers. Yeah, we had lots of milestones this year. And, yes. Well, we've got lots of plans for next year. So, I mean, you've seen the set. We're planning on a new show called... The French Show. The French Show. We're still working on the title. The French Show. Okay, and what does it consist of? Well, it will consist of more teaching and exploring the French culture. Yeah. Hopefully we'll have some interesting guests. Yes, yes, yes. And I'm hoping we'll have see how it goes with that. I think we're enjoying the set already. We are, actually, with all these filming, these Christmas videos, which I think are... Mm. And let us know what you think. We're also planning a series of videos for children. Yep. Which Coming is very exciting. Younger with my children. Puppets. So keep watching this series because I think it's coming up where I use my puppet. Yeah, so that would be great. Yes. So we've got loads of good plans for next year. Helping young teenagers to prepare for their exams. Yep, you're doing exam practice. Exam practice videos. Yep, that's coming up too. So we've got lots of work to do. Yeah, we can see Adam is a natural in front of the camera. Anyway, allez, on va goûter. Et to finish, I'm hoping this is my own recipe, by the way. You can use your own. Oh, wow, that's strong. Is it? Well, le brandy... Ooh, le brandy is... So normally we would have to wait, what, half an hour? Or? Yeah, absolutely. It would need to be a bit more resting, a bit more, like 30 minutes. Once you take it off the hob, I would rest it. I would let it, get all the nice spices, inside the wine. So, but we're not going to do that. For the purposes of television, we are going to actually try it now, only for television purposes. And, how are we doing this? Is there some kind of... Oh, no, I don't have a... This is going to go badly. I can tell that straight away. Okay, here we go. okay. Yeah, merci. Ooh. Okay. Didn't get any of the oranges. Okay. That's perfect. You got a star anise, which you're not meant to get, really. Okay. We should... Okay. Here you go, look. Take one of them. Ooh, but this one has a lot of... No, it's you don't want this one. You don't want this one. Yeah, you can cut there. Merci. Okay, and this one. Here we go. Merci. Right. It? Yeah, well, that's my recipe. Let's have a look. Go at it. Okay. Merry Christmas, obviously, to santé. All of you. Santé, joyeux Noël, joyeux et puis Noël. Bonne année, et puis bonne santé, et puis voilà. Here we go. It's very strong, mine. Oh, that's good, actually. I was expecting it not to be so good. That's no, nice. It is actually really lovely, but so strong. Very good. It is really nice. Très bon. It is actually really lovely. Mm. Okay, well, that's my recipe, taken from many sources that I've done some research on YouTube as well as on internet. So that's it. Okay, I think that's it for me. So next year, great new things. And if you have any suggestions, please let us know. Leave a comment. We read them, believe it or not. They are so many, but we do
trying to read them as much as much. It's noisy. Okay, and that's it for me. He's holding the mulled wine, or should we say le vin chaud. That was an honor, Adam. Seriously, an honor. The pleasure was all mine, but rest assured, I know my place, so I'll be that over there next video. Ouais, mais il parle très très bien français, Adam. Je sais pas. Mais si, quand même. Au revoir, à bientôt, et puis bisous. Bisous. Salut.